Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisir Créatif 27. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, moi, pour vous rassurer, j'ai aujourd'hui, pardon, nous sommes le jeudi 24 février 2022 et il est 15h30. Enfin, j'ai un truc qui dit 15h30 ou qui dit 15h28. Alors bon, à 2 minutes près, hein, on va pas chipoter. Hein. Donc, pour rassurer tout le monde, oui, je vais bien. Oui, je n'ai pas publié de vidéo ces jours-ci. Pourquoi? Parce que j'ai eu un coup de fatigue. J'ai eu à nouveau un coup de fatigue, enfin un coup de fatigue tournant de tête. Et quand j'ai la tête qui tourne et que je suis fatiguée et que j'ai mes quintes de toux, mes crises d'asthme, je ne peux rien faire. Voilà, j'étais trop fatiguée. Et j'ai préféré rester à me reposer. Et puis j'ai dit, je ferai des vidéos un peu plus tard. Voilà. Et puis de toute façon, j'ai essayé d'en faire, mais ça n'allait pas comme je voulais, comme d'habitude. Voilà. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. C'est simplement mes crises d'asthme, que quand j'ai des grosses crises, ça me fatigue énormément. Hier, je n'étais pas là. Il a fallu que j'aille porter mon papier au logement familial. Cette fois, tout est nickel. Ils m'ont renvoyé le papier. Au lieu de me préciser ce qui n'allait pas sur le papier quand j'y suis allée la première fois, eh bien, j'ai déposé le dossier une première fois, ils me l'ont renvoyé. Donc je suis retournée, j'ai refait les feuilles d'impôt, j'ai photocopié. Ils m'ont renvoyé en mettant que c'était non conforme. Donc on ne comprenait pas. Enfin, je ne comprenais pas. La dame des impôts, quand elle m'a fait le changement de situation sur par rapport à mon fils, sur ma feuille d'impôt, quand elle a fait les photocopies, elle ne m'a pas mis les bonnes feuilles. Donc là, je comprendrais. Mais il y avait une case à cocher. Moi, j'ai coché la case, j'ai mis non. Et il fallait mettre oui. Si le logement familial, quand j'y suis allée la deuxième fois, avait bien regardé au niveau du papier, j'aurais pas eu besoin d'y retourner hier. Parce que figurez-vous qu'ils m'ont renvoyé une troisième fois le papier et qu'il a fallu que j'y retourne hier pour déposer le dossier. Donc là, c'est suite à ça, c'est quand j'ai déposé hier que j'ai su que j'avais mis une croix, mais pas du bon côté. Voilà, donc la dame elle a corrigé et tout est nickel. Voilà pour ça. Pour mamie Denise, oui, je suis d'accord de passer une journée avec toi, mais il faut que je me renseigne des horaires des trains pour pouvoir partir le matin de bonne heure et repartir de bonne heure le soir pour pas que je rentre trop tard le soir parce que c'est mon voisin qui puisse venir me récupérer. Soit il vient me récupérer en voiture, soit je prends le train et il me récupère à la gare de Verneuil. Voilà. Autrement, il est d'accord de me déposer jusqu'à l'Aigle, jusqu'au Leclerc de l'Aigle, mais après, il ne pourra pas rester parce que lui, il va s'ennuyer toute l'après-midi. Bah, j'ai dit oui, je comprends. Voilà, donc soit il me dépose et puis moi, il me reprend le soir, soit je prends le train et comme ça, je ne demande rien à personne. Mais c'est OK. Par contre, il va falloir attendre mamie un petit peu qu'il fasse meilleur. Quoique même avec le temps qu'il fait aujourd'hui, il y a du soleil. On a eu de la pluie tout à l'heure, mais faut qu'il y ait au moins une journée où il fait chaud, où il fait beau, qu'on puisse rester un petit peu dehors. Voilà. Donc, c'est pas le cas pour le moment. Je vais voir ça pour le mois de mars. Mais je préfère compter, prévoir un billet de train pour y aller, un billet de train pour revenir. Parce que si à la dernière minute, il n'y a plus personne pour m'emmener, tu seras déçu si je ne peux pas venir. Donc, je te tiens au courant de l'évolution de je te tiens au courant pour si j'ai trouvé des billets de train pas chers pour aller jusqu'à l'Aigle. Voilà. Ou alors du covoiturage, un covoiturage sur Blablacar. Voilà. Parce que la personne, si elle est. Après, voilà. Ensuite, pour la broderie Pointe-Croix Disney, oui, Christelle Book, j'ai reçu ton commentaire. Oui, mais non, c'est toi qui. J'ai raison, j'avais raison. Je suis allée voir la chaîne de Angélique. Mars, faut qu'il attaque Minette là. Hé ! Non, mais t'es fou ? Bébé Mars. Là, il a attaqué la petite Minette. Mais alors, elle t'a rien fait, Ruby ? Pourquoi tu l'embêtes ? T'as ton grain de folie encore? Il est fou. Ruby, tu restes là. Oh ben elle l'attaque, tant pis pour elle. Vous voulez voir mes chats en train de jouer tous les deux? Je vais me dépêcher à tourner. Regardez mes deux chats.
Alors, je sais pas, voilà, ils sont là. Vous les voyez. Voilà. Bon alors, Ubi. Vous voyez, c'est elle qui va l'attaquer, là. Elle se penche pour voir où il est. Voilà mon bébé. Voilà, elle regarde ce qu'il fait. Voilà, c'est le moment, c'est le quart d'heure folie de mes chats. Donc là, sur la fenêtre, c'est gros bébé Mars, en noir et blanc. Et puis sur la couloir du fauteuil, c'est bébé Ruby, qui essaye de s'aventurer là-bas, mais qui n'est pas rassuré. S'il court après, Ruby, tu ne viendras pas pleurer. Hein. Viens là, ma princesse. Voilà, c'est le quart d'heure de folie de mes chats. C'est le quart d'heure de folie de mes chats. Ça y est, vous êtes calmés? Vous voyez, ils se regardent l'un à l'autre. Lui, il l'ignore, mais elle, le regarde. Qu'est-ce qu'elle... Attention à toi, Ruby. Ils m'ont déchiré tout le cuir des accoudoirs de mon fauteuil. Ils ont là où il y a du scotch sur le côté du fauteuil, c'est pareil. Ils m'ont tout déchiré. J'ai plus qu'à racheter un fauteuil. Elle a sauté dedans. Et ben ils m'ont cassé une roue. Bébé Mars. Chut. Ruby, attention. Ils sont... Ben là, il est rasé, la porte est fermée. Voilà, c'était le quart d'heure de folie de mes chats. Bon, là, la porte, elle est fermée. Enfin, elle n'est pas crochetée, elle est juste poussée. Mais avec le vent, vu que la fenêtre ici est ouverte et là-bas, la porte de la cuisine est ouverte, et ben, ça fait appel d'air et puis ben, il ne peut pas sortir. Donc, il n'est pas content. C'est pas grave. Donc, je disais, pour la broderie Pointe-Croix Disney, il faut commencer par l'extrémité de la patte gauche de Tigrou, à droite, en regardant quand vous regardez le diagramme. Donc, quand on regarde le diagramme, vous avez votre Tigrou qui est face à vous. Donc, l'extrémité de la patte gauche, c'est du côté de la queue. Donc, j'avais raison. Voilà. Ensuite, donc merci à vous toutes pour vos commentaires, vos petits conseils, vos petites remarques. Voilà. C'est ma fofolle qui joue avec sa balle. Et oui, Flora, je sais, j'ai pas fait de vidéo dernièrement, mais faut pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, quand je suis pendant 2-3 jours sans faire vidéo, c'est parce que je suis pas motivée, parce que je sais pas quoi faire comme projet, ou parce que ben, c'est parce que je suis pas en pleine forme. Et puis c'est vrai que j'ai eu une extinction de voix, j'avais plus de voix du tout, donc ça servait à rien que je vous fasse une vidéo si je pouvais pas vous parler. Mars, attention. Et là, ça commence encore à... Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Rachel, tu me disais qu'ils étaient au niveau de la collection... je reviens. Descends. Où je vais me fâcher. Tu te calmes là, Mars, hein, parce que je vais te mettre une fessée. Tu disais que pour la box broderie Pointe-Croix Tigrou, ils étaient Disney, pardon, ils étaient en rupture de stock pour le numéro 2, pour celles qui reçoivent directement, qui ont commandé sur internet. Alors, par rapport à ça, t'inquiète pas, la box, le numéro 2 Pointe-Croix Disney, j'ai loqué. Il va bien arriver dans les boîtes aux lettres dans le mois de mars. Il n'y a pas de rupture de stock. Parce que moi, j'ai été voir sur mon site Achète Collection. Alors, quand c'est comme ça, si vous êtes abonné à Achète Collection pour cette collection, quand vous ne savez pas... J'ai loqué. Quand vous ne savez pas si vous allez recevoir le numéro, vous allez sur votre espace client Achète Collection. Vous tapez votre adresse mail et votre mot de passe et vous allez voir dans les derniers colis, dans les derniers envois. Et au-dessus,
juste le petit cadre, au-dessus du petit cadre où il y a marqué dernier renvoi, ils vous mettent la date de la prochaine expédition. Donc la prochaine expédition pour le numéro 2, pour toi, pour moi et pour toutes celles qui attendent leur numéro 2 par courrier, par colis dans leur boîte aux lettres, ça sera expédié le 11 mars. Voilà, 11 mars 2022. Voilà. Donc, voilà pour ça aussi. Qu'est-ce que je voulais parler aussi? Je ne sais plus. Je n'ai fait, j'ai pas avancé, enfin je n'ai rien fait, c'est pas que j'ai rien fait, c'est que j'ai pas avancé sur mes loisirs créatifs. Voilà. J'ai tricoté, alors j'ai fini la première pelote de mon cosy trendy châle jaune moutarde. Alors. Sur le tricotage, sur les deux autres projets qu'il y a dans la boîte, j'ai pas travaillé dessus. Voilà. Donc j'ai entamé ma deuxième pelote. Voilà. Mais je ne suis pas à 90 cm de hauteur. Voilà. J'ai fait que ça. Donc là, j'ai entamé ma deuxième pelote. Je l'ai entamée ici. On ne peut pas tirer sur la laine parce qu'après c'est filoche. Donc. Que c'est de la laine chenille, c'est comme si c'était des pompons. Voilà. Donc quand il y a un nœud, ben on peut pas tirer dessus. Donc voilà. Donc celui-là je garderai à la maison, je rectifierai, j'essaierai de passer un fil de couture ici pour bloquer les nœuds pour pas que ça se voie. Bloquer les nœuds dans les mailles. Partout pareil là où il y a les nœuds. Hier j'ai voulu faire une vidéo et puis du coup mon truc j'ai pas fait attention, ça a trempé dans ma tasse de chocolat de café au lait, donc c'est un peu rêche, mais bon c'est pas grave hein. ça sera le bon, j'en ai déjà fait un, donc après je m'en fous quoi. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait sur celui-ci. Sur celui-là qu'on a commencé pas à pas ensemble, j'ai travaillé un petit peu. Alors, pour celui qu'on avait commencé avec cette laine-là, de chez Carrefour. Je l'ai redéfait parce que ça ne me plaisait pas et j'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour finir mon cosy trendy châle entièrement. Parce que j'ai qu'une pelote. Et à Carrefour, cette pelote-là, ils en ont plus. Donc du coup, j'ai redéfait et j'ai commencé une écharpe de dragon. Comme ça, celle-ci, je sais qu'en tricotant toute la pelote, j'aurai une grande écharpe de dragon. Voilà. Donc, j'ai fait ça ce matin. Voilà. Parce que ce matin, moi, je ne pensais pas me lever de bonne heure. Et puis, j'ai la fille de mon voisin, Stéphie, qui m'appelle et qui me dit, Micheline, est-ce que tu peux venir à la maison? Alors, je dis oui. Je dis pourquoi? Ben, elle me dit parce que j'ai vomi du sang. Donc moi, ben, quand elle m'a dit ça, vu que je n'étais pas encore réveillée, parce que je dormais, je n'étais pas levée, ben, j'ai sauté, je me suis assise. Ah, je peux vous dire qu'en 2 minutes, j'ai fait un espèce de bond dans le lit, j'ai posé mes pieds par terre. J'ai mis mon pantalon, j'ai mis mon pull et je suis allée la rejoindre vite fait chez elle. Son père n'était pas là, il était parti emmener son chien pour des vaccins, faire vacciner son chien, mettre les vaccins un jour pour son chien. Il a été chez le vétérinaire pour mettre les vaccins, faire vaccin à son chien, les vaccins de rappel et tout ça. Et ben, il avait sa mère avec lui, parce que sa mère, elle avait un rendez-vous, je ne sais pas où. Et la gamine, ben, elle a été au collège, mais arrive au collège, elle a vu qu'elle faisait une cure parce qu'elle ne sentait pas bien. La tête qui tournait et tout. Et ben, du coup, quand elle est arrivée chez elle, elle m'a appelé pour que je vienne avec elle, quoi. Parce qu'elle ben, a commencé à paniquer parce qu'elle avait vomi. Ben, elle a vomi, c'est pas du vomi, c'est du sang. C'est des glaires avec du sang. Mais bah, j'ai dit, ça peut provenir du traitement que la gynécologue lui a donné.
Et non, c'est parce que la gamine, elle a pris son cachet, mais elle n'a pas mangé. Et c'est des médicaments qu'il faut prendre en mangeant, pendant le repas. Donc, bah moi, quand je suis arrivée, elle était blanche comme un cachet d'aspirine. Elle était en train de ramasser. Alors, il y avait juste une petite tache comme ça, de vomi avec du sang. Simplement, c'est qu'elle se brosse les dents, puis elle a les gencives fragilisées. Quand elle se brosse les dents, elle a les gencives qui saignent. Et il a suffi qu'elle ait eu une remontée acide, ça l'a fait vomir, vu qu'elle n'avait pas mangé avant, et elle a vomi le sang parce qu'elle ne supporte pas la vue du sang. Donc, quand elle s'est brossée les dents, puis qu'elle a saigné, et qu'elle a senti qu'il y avait le goût du sang dans sa bouche, ben, ça lui a sauvé l'estomac, puis elle a recraché. C'est pas du vomi, c'est juste de la salive et du sang recraché. Et quand j'expliquais à son père a dit, bah oui, mais c'est normal, parce qu'elle a pris son médicament ce matin, et elle n'a pas mangé. Elle l'a pris avant de manger. Et elle est partie comme ça sans manger. Alors elle dit qu'elle a déjeuné. Bon, bref. Mais hier soir, je sais qu'elle l'a pris avant de manger, alors qu'elle doit le prendre pendant le repas. Enfin bref. Donc j'y suis allée. Et puis ben, elle a fallu que je reste avec elle jusqu'à temps que son père il arrive. C'est pour ça que j'avais emmené le Cozy Trendy Châle qu'on avait commencé pas à pas ensemble. Je l'ai défait parce que je savais pas, ça m'énervait. Et j'ai fait les chars coups de dragon. Oh. Donc, je vais goûter ça parce que mon fils, il a acheté des petites canettes de coca à la cerise. Mélange authentique de 23 saveurs. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il me dit que c'est du coca, mais c'est marqué Dr Pepper. Énergie, matière, grasse, acide gras saturé. Glucides, dont sucre. Donc il y a du sucre là. Pour celles qui doivent, qui n'ont pas le droit au sucre, ça c'est même pas la peine, il y a du sucre. Hein. Moi je fais attention à ce que je. Moi il va falloir que je fasse attention pour éviter. De. Alors en sucre pour 100 ml, il y a 6,9 grammes. Pour 350 ml, il y a 22,7 grammes. Et pour 330 ml, il y a 9%. 9 grammes. Je comprends rien dans leur truc. Ensuite, il y a protéines, sel. Boisson gazeuse rafraîchissante aux arômes fruits avec sucre et édulcorant. Édulcorant, pardon. Contient de la caféine. Alors, dans les ingrédients, l'eau gazéifiée, sucre, colorant, caramel. Alors, en colorant, c'est colorant caramel. Acidifiant, acide phosphorique, arôme, conservateur. Alors, en conservateur, il y a du sorbate de potassium, arôme caféine, édulcorant, acésulfame, K et sucralose à consommer de préférence pardon, avant le voir sur le fond de la bouteille. Alors, faut consommer avant le 5 mai 2022. Il n'y en aura plus au 5 mai. Ça, je peux vous le garantir. Voilà. Donc, j'ai ça. Puis, il restait des canettes de Canada de Sprite. Donc, il en reste encore une comme ça. Bon, moi, j'en ai plus une. Je lui laisse l'autre. Et puis, il a acheté des petites chips ce matin parce qu'il a été à Verneuil. Donc, il s'est acheté une petite poche de chips. Mais apparemment, il n'a pas tout mangé. Il m'a laissé le reste. Il a pris un petit lot de. Petite bouteille Actimel, goût multifruit.
Donc j'en ai pris un, je vais goûter, on verra bien. Voilà pour les nouvelles. Alors, j'ai commencé un autre projet. Du coup, j'ai recommencé. J'ai voulu faire un châle facile débutante virus, mais avec la petite laine que j'ai eue dans ma dernière MacBox, ça va pas. J'arrive pas à tricoter, elle est trop fine. J'aurais dû la doubler. Mais je l'ai pas fait. Donc, et ben, pour aller plus vite, j'ai commencé une autre petite écharpe de dragon. Parce que mes petites filles, elles en voulaient, donc je vais leur faire ça. Là, on avait un rayon de soleil, donc j'ai ouvert le volet, mais là, le soleil, il est parti. J'ai travaillé sur ma toile tic et tac. Vous savez que j'avais mis du papier cuisson blanc. Et quand j'ai eu collé la feuille dessus, on ne pouvait plus la décoller. J'étais obligée de décoller le reste du papier qu'il y avait avec une lingette bébé pour humidifier le papier, pour éviter que ça se déchire et ça a été beaucoup plus facile pour l'enlever. Et j'ai remis du papier cuisson, mais marron. Celui-là, le dernier que j'ai acheté. Je l'ai mis je l'ai positionné sur la toile des deux côtés et il colle pas comme le blanc. Alors, donc il me restait, donc j'ai refait le même nombre de colonnes, il me restait 18 cases à faire, donc j'ai remis les 18 cases, j'ai prédécoupé mon papier, j'ai fait mes petites cases avec un feutre noir, et j'ai, avec mon petit cutter, j'ai fait les découpes sur chaque côté des carrés et voilà ce que ça donne et j'ai fait cette petite case. Voilà, donc là il m'en reste plus que 17. Donc est-ce que je reprends comme avant, je fais celle-ci et celle-ci, après je fais les trois, après j'en fais encore trois et ainsi de suite, ou est-ce que je les fais une par une, ici j'ai le temps, ben j'en fais plusieurs. Voilà, j'ai repassé un coup de rouleau sur l'autre en dessous, l'autre partie du dessous, parce que quand on la regarde à la lumière de la tablette lumineuse, et bien, il y a des écarts. Il y a beaucoup d'écarts. Je vais chercher ma pince. Voilà. Il y a quand même pas mal d'écarts. Mais après, c'est vrai que ça fait un moment que ma toile est commencée. J'ai beaucoup de toiles qui, il y a longtemps qu'elles sont commencées. Et avec la chaleur du chauffage, et ben la colle elle travaille, et puis les diamants, et ben ils bougent, et pourtant moi là où il est, il peut pas bouger. Il y a mes chats qui ont dû monter dessus parce qu'il y a des poils de chat, ou alors c'est les peluches de mon pull, je sais pas. Donc quand je fais mes diamants painting, j'ai pas de pull la plupart du temps. Je suis en manche courte. Donc là, il y a plein d'écarts ici. Il faut avoir le nez dessus pour les voir. Et quand on les regarde à la lumière, et ben ça se voit beaucoup, quoi. J'en ai un qui a un trou dessus. Donc là, les diamants sont vraiment petits. Les symboles dessus sont petits aussi. Donc, je vous montre, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Il va être beau, hein. Il va être super beau. C'est un plaisir de le faire, franchement. Voilà, donc là, je vais le remettre dans ma commode.
J'ai travaillé sur ma couverture Flamingo Love aussi un petit peu. Ça, c'est la toile que mamie m'avait demandé de lui commander pour Noël. Voilà. Et sur sa toile, les symboles au niveau du... Ouais, les symboles, ils sont pratiquement tous effacés. Donc, je lui ai dit là tout à l'heure quand je l'ai vu, j'ai dit, écoutez mamie, je vais faire le maximum pour mettre les couleurs d'origine, mettre les bonnes couleurs à la bonne place. Mais il y a tellement dans les couleurs foncées, dans les couleurs vertes et non, le noir, elle n'a pas tout fini, je pense. Entre le noir et les couleurs vertes, il y a des symboles, il y a beaucoup de symboles qui sont moitié effacés. Donc, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. Elle me dit, tu fais comme tu veux. Donc là, ben ça, c'est une toile qu'il faut que je travaille. Là, je vais pouvoir en faire un petit peu. Les R, c'est quoi? C'est 934. Je suis en train de chercher les numéros. Il est là. 934, c'est une couleur vert foncé. Mais vraiment un vert foncé qui tire, un vert très foncé qui tire sur le gris-gris foncé. Voilà, mais on voit bien la lumière que c'est un vert. Hein. Donc là, il faut que je fasse tous les R. Mais on est obligé de prendre la loupe parce que sinon on ne voit pas les lettres. Le papier sur la toile, il y a de la poussière sur la toile. Et c'est pas chez moi parce que chez moi le papier il est dessus. Mais bon, quand ils font du DP là-bas, ils se mettent sur une table qui n'a pas été nettoyée ou la table elle est propre, mais ils mettent les manches de leur pull dessus. Ils font pas attention quand ils font quelque chose. Donc, mamie, quand elle fait du DP là, quand elle vient chez son fils qui a fait du diamant painting, il y a les petits, ils sont toujours autour. Dès qu'elle a dû tourner, ils mettent leurs mains sur la toile. Donc, alors, ils sont en train de manger un gâteau, puis ils mangent au-dessus de la toile de la grand-mère. Puis quand on dit qu'on n'y voit presque pas, on arrête de faire. Quand on n'y voit pas beaucoup. La grand-mère, elle ne sait pas s'arrêter, elle commence et puis elle va travailler, elle va être sur la toile pendant toute l'après-midi, quoi. Elle s'arrête que quand elle a mal au dos, quand elle ne voit plus, quoi. Moi, je vais essayer de faire ce que je peux pour cette toile et puis on verra bien. Voilà. Mais j'ai pas envie de faire de DP, j'ai pas envie de travailler dessus aujourd'hui, donc... Je l'ai sorti pour la faire, mais non, c'est pas bon. Je suis pas motivée pour le faire. Donc on verra ça demain. Parce que là, un coup il y a du soleil, un coup il y a plus de soleil. Donc là, il faut que j'enlève mon pull parce que avec la fenêtre ouverte, dehors, il fait hyper froid, les filles. Donc du coup, j'avais froid. Avec la fenêtre ouverte, j'ai mis mon pull, mais là, j'ai trop chaud. Ah, j'ai pas pensé de demander à la gynécologue quand on y a été pour la gamine hier au niveau de la ménopause combien de temps ça dure. Parce que depuis que je suis ménopausée, j'ai toujours mes bouffées de chaleur. Mon médecin traitant à l'époque m'avait dit que ça ne durait pas longtemps. Et puis là, le médecin que j'ai actuellement, quand je lui ai posé la question, il a dit il est médecin, mais il ne sait pas. Il dit que c'est normal que j'ai des bouffées de chaleur. Et qu'il n'y a pas de traitement. Et quand j'ai vu la gynécologue, quand je suis allée voir ma gynécologue, moi, au mois de janvier. Oui, c'est au mois de janvier que j'avais rendez-vous, moi. Ouais. C'est le 26 janvier que j'avais rendez-vous, je crois. Et ben, la gynécologue m'a demandé si j'avais toujours... je dis oui, normalement, je suis ménopausée depuis quelques temps. Je dis ça fait un peu plus d'un an que je suis ménopausée. Mais je dis, j'ai des bouffées de chaleur. J'en ai parlé à mon médecin traitant à l'époque. Il m'a dit... On m'a répondu qu'il n'y avait pas de traitement pour ça. J'en ai reparlé au médecin que j'ai actuellement. Il me dit non, il n'y a pas de traitement pour ça. Parce que mon ancien médecin est parti à la retraite.
Mais lui, il était bien. Mais là, celui-là, il me dit qu'il n'y a pas de traitement. Et la gynécologue, elle m'a dit, si, il y a des traitements pour la ménopause. Donc, moi, je sais que c'est pas l'année dernière, mais c'est l'autre année d'avant, j'avais pris le traitement à base de homéopathique, mais des gélules homéopathiques, c'était à base de vigne rouge. C'était de la vigne rouge à l'intérieur. Mais ça m'a calmé les deux premiers jours, et puis après, non. Donc ça va pas, quand je suis comme ça, ça va pas. Donc on va faire quoi? Je n'en sais rien. Ben, je vais travailler sur ma gorgeuse. Oui, j'ai enroulé mes toiles parce que j'ai vu que sur la feuille du diagramme de Tigrou, la pointe-croix Disney, et ils mettent qu'il ne faut pas plier les toiles quand elles sont pliées, quand on les reçoit pliées, il faut les déplier, et quand on commence à faire la broderie dessus, il ne faut pas laisser le. Faut pas les plier la toile, faut la rouler. Et c'est vrai parce que moi je sais que ma grand-mère, une famille d'accueil, elle les pliait pas, elle les roulait ses toiles. Et ça les abîme beaucoup moins. Et quand vous les roulez, il faut que le côté où il y a le motif, où il y a le dessin, que ça soit à l'intérieur. Il ne faut pas que ça soit à l'extérieur. À cause de la poussière, de tout ce qui est gras et ainsi de suite. Là, quand je commande ma bibliothèque, là, ce mois-ci, au mois de mars, là, et que je me commande une housse pour remettre mon téléphone dedans. Et un film plastique dessus mon écran pour protéger l'écran de la poussière et tout ça. Alors, ici il y a ma toile, mon diagramme, va encore pleuvoir. Donc ma petite gorgeuse qui m'a été offerte par Rachel, voilà. Donc oui mamie, au fait, au niveau des changements de couleur, que ce soit en tricot ou en broderie ou en crochet, là ici tu vois, tu as la photo de la petite poupée, la petite gorgeuse, il y a plein de couleurs dessus. Donc si tu commences par faire par exemple dans ses cheveux, il y a un petit nœud d'un côté, je trouve, voilà, ici, il y a un tout petit nœud rose. Donc le petit nœud, il faut le faire en rose.
Et après, toute sa chevelure, elle est noire, avec des petits endroits où c'est gris. Donc, quand tu as fini ton noir, et puis qu'il y a un changement, il y a une autre couleur à côté, ben là, tu changes de couleur. Voilà. Ici, quand tu auras fait ses cheveux ici, après, quand on a fait les cheveux, il faut faire les petits yeux. Et quand on a fait les yeux, il faut faire le visage. Donc là, il faut encore changer de couleur. Au canevas, au broderie point-croix, c'est comme le diamant painting, le tricot, le crochet. Quand il y a des motifs comme ça avec des couleurs différentes, avec beaucoup de couleurs, et ben au point de croix, il faut changer la couleur. Voilà. En tricot, c'est différent. Tu changes de couleur quand tu fais du jacquard. Tu changes de couleur quand tu fais un pull avec des rayures ou avec un pull au point damier, mais tu fais un damier bleu, un damier blanc et un damier vert, par exemple, et ben tu changes la couleur. Au canevas, c'est pareil. Par contre, que ce soit au crochet ou au tricot, tu as des pelotes de laine qui sont unies comme celle-ci. Et après, tu as des pelotes de laine qui sont comme celle-ci, qui sont de plusieurs couleurs, qui ont plusieurs couleurs sur la même pelote. Ce qu'on appelle le changement de couleur en dégradé. Voilà. Par exemple, le premier Cozy Trend T-shirt que je me suis fait, c'est celui-ci. C'est celui-ci. J'ai rencontré la petite mamie à qui je donne les pelotes de laine quand elle me voit avec des écharpes. Parce que moi, mes cosy trendy châles, mes petits châles comme ça, je les roule et je me fais une écharpe. Et l'autre fois, elle m'avait vu avec une belle écharpe en couleur pastel. Et elle m'a demandé si c'était moi qui l'avais faite. Bah, je dis oui. Mais elle me dit, vous avez dû vous amuser avec les couleurs qu'il y a, vous avez dû changer souvent. Bah, je dis non, j'ai pas changé de couleur. J'ai pas changé de couleur. C'est-à-dire que celle-ci, j'ai pas changé de couleur. Pourquoi j'ai pas changé de couleur? Parce que c'est une pelote où les couleurs se changent à faire mesure que vous tricotez. C'est la pelote de laine qui est comme ça. Voilà. Je sais plus comment on appelle ces pelotes de laine, mais c'est des pelotes de laine qui changent de couleur progressivement. Voilà. C'est-à-dire que vous commencez par une couleur au bout, et à faire mesure que vous allez avancer dans votre travail, votre fil va suivre, votre pelote va se désembobiner, et plus vous allez avancer, plus le changement de couleur va se faire. Voilà, c'est la pelote qui est comme ça se change automatiquement de couleur, tu n'as rien à faire. Voilà. Celle-ci, il n'y a pas besoin d'arrêter une couleur pour en reprendre une autre. Celle-ci, c'est les couleurs de la pelote qui changent en dégradé, c'est un changement de couleur dégradé. Voilà. Alors que la bleue que je t'ai montré là, si par exemple tu veux faire moi si par exemple je veux faire mon écharpe de dragon en bleu comme ça, après mettre du rose et après mettre du jaune et après mettre un vert clair avec celle-ci dans la même qualité que celle-ci, il faudra que j'achète les pelotes qui correspondent à mes cinq couleurs, ce qui fait que j'aurai cinq pelotes. Tandis que celle-ci, une seule pelote. Et j'ai plusieurs nuances de couleurs sur mon châle. Voilà. Mais ça, mamie, je pourrais t'expliquer tout ça quand on sera ensemble, quand on se verra. Ça sera beaucoup plus simple. Et puis, je pourrais t'expliquer, si tu veux, des fois, acheter de la laine, parce que tu as l'intention qu'on aille faire les boutiques. Si tu as envie d'acheter de la laine, je te conseillerais sur les pelotes de laine. Je te dirais si. Pour toi, il faudrait que tu prennes des laines qui changent de couleur progressivement. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire de changement de couleur et c'est plus pratique. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, on va travailler un peu sur la gorgette, mais je pense que je vais fermer ma fenêtre. Bébé? Tu peux te faire ce qu'il pleut.
maison. Ok? Donc voilà. Donc là, on va travailler sur la gorgette. Je vais en faire un petit peu. Ça va peut-être me passer le temps. Il faudrait que je travaille sur ma fleur de lys aussi pour l'avancer. Mais là, j'y vois pas assez clair. Faudrait qu'il y ait un peu plus de soleil. Hop! Donc, quand vous la roulez, quand vous avez fini et que vous l'enroulez, vous l'enroulez comme ça, l'envers contre endroit. Voilà. Vous l'enroulez comme ça. Voilà. Comme ça, les parties que vous avez commencé à broder sont protégées de la poussière, des poils de chat et tout ça. Et c'est plus pratique. Après, vous mettez ça dans un sac. Dans un sac plastique, ils mettent. Donc, moi, je le mets là-dedans. Après, ben, si je dois partir quelque part, je la plie un petit peu. Mais bon, généralement, quand c'est des grandes toiles comme ça, je les laisse à la maison. Et puis, de toute façon, elles sont déjà encore dans un autre gros sac en plastique. Hop. Mes cotons. Voilà. Alors, pourquoi j'ai collé ça dessus, moi? Bon, c'est pas moi qui ai collé ça, je pense pas. Il faut que je tourne juste le dessin, ma feuille de sens. Donc là, ben, vous avez la feuille comme ça. Et là, vous avez le diagramme. Voilà. C'est pas un patron, c'est un diagramme. Alors, je ne sais pas si Sandrine, si la chaîne Les Loisirs de Sandrine. Elle disait qu'elle avait perdu sa première chaîne. Et puis moi, j'avais le nom de sa première chaîne du côté de mes abonnés, je pense. Et j'ai cliqué sur s'abonner. Alors que je savais que j'étais abonnée à sa chaîne. Et j'ai pu récupérer sa toute première chaîne. Elle a 741 abonnés sur sa première chaîne. Elle avait 741. Là, sur celle qu'elle est actuellement... Sa première chaîne, c'était Sandrine et ses loisirs. Donc ça, j'ai réussi à la trouver. Et sur sa nouvelle chaîne, c'est Les Loisirs de Sandrine. Et elle a que 51 abonnés. Voilà. Hop, ça vient par là. Je vais prendre mon petit coupe. J'ai mon petit en fil aiguille qui est là. Hop. Voilà. Donc, oui, je suis dans une période, mais je pense que ça doit être le changement de temps. Je sais pas. Je suis dans une période où le matin je ne déjeune pas, juste une tasse de café au lait. Le midi, je devrais manger, mais quand j'ai quelque chose dans la tête, ça passe pas. J'ai envie de manger ça, donc je me fais cuire ça, puis quand c'est dans mon assiette, j'ai plus faim, j'ai plus envie de manger. Hier soir, j'ai mangé un petit peu, mais bon. Je suis dans une période où j'ai envie de faire un truc, et puis au moment de le faire, ben, j'ai plus envie. Ça, ce sont toutes mes couleurs. Alors là, vous allez bien voir la... Enfin, vous allez bien voir la couleur. Non, parce qu'à l'écran, ça ne se met pas de la même couleur.
représente pas la même couleur à l'écran. Alors ça, ici, c'est un verre d'eau très clair. Ça, c'est un genre de verre d'eau, un verre très très pâle, mais vraiment très très clair. Voilà. Et c'est la couleur que je dois faire pour la zone jaune. Alors, c'est la couleur que je me sers pour faire toutes les zones jaunes. Toutes ces zones-là, ici, partout ici. Partout ici dans le ciel, il y a des petits points jaunes et sous. Donc ça va avec cette couleur. Moi ici, je la vois vert clair, vraiment très clair. Quand je la mets sur ma toile, quand elle est brodée sur ma, quand j'ai fait, voyez, j'en ai fait ici. Je ne sais pas si vous allez voir, j'en ai fait ici. Et ici, elle donne jaune poussin. Elle est couleur jaune poussin. Alors, est-ce que c'est du fait que dessous c'est jaune foncé? C'est encore possible. Parce que normalement, une fois que la toile va être finie, une fois que la toile va être finie, ça va donner ça au niveau des couleurs. C'est une toile avec un fond bleu très clair en haut. Et en bas, c'est même pas du jaune, c'est du vert très clair, du vermant très clair qui tire un peu sur le blanc. Et des petites zones de bleu très pâle. Voilà. Mais elle est très agréable à faire, hein. Il y a beaucoup de petits points de couleurs différentes, mais elle est très jolie à faire. Pardon. Désolée. Ah, c'est mes cannes de toux, hein, ça me prend par moment. Hier, ça m'a pris dans la voiture. Le voisin dit, mais t'es malade? Ah, je dis non. Je dis, c'est mes crises d'asthme. Ben, il me dit, non, t'as une drôle de façon de tousser. Ben, je dis, oui, mais c'est à chaque fois que j'ai des grosses crises, c'est ça. Il me dit, mais tu vas cracher tes poumons. Ben, je le sens parce que toutes les glaires qui... Quand j'ai fait ma bronchite asthmatique, comme j'arrive pas, quand il y a des glaires qui remontent et que j'arrive pas à les cracher, ben ça retombe sur les bronches. Et quand j'ai des crises d'asthme et que je tousse aussi fort, et ben ça décolle les glaires qu'il y a sur les poumons, sur les bronches et tout, ça remonte. Et comme je peux pas cracher, ben ça redescend. Et c'est ça, c'est les glaires qui me font, c'est à cause de toutes les glaires que j'ai là que je tousse aussi beaucoup. Donc, j'ai pas travaillé depuis. Alors, j'ai avancé. Alors, je vais vous la plier dans ce sens-là. Vous y verrez mieux. J'ai fait toute la première colonne jusqu'ici. Ensuite, la deuxième colonne, j'avais fait qu'une seule case ici. Là. J'avais fait que la case qui est ici. Et du coup, ben, je suis descendue jusqu'en bas. Et puis, je suis remontée. Et puis, j'ai fait toute la partie bleue qu'il y avait à faire ici. Et là. Du coup, comme j'en ai marre de partir du haut vers le bas, ben je pars de la gauche vers la droite. Voilà. Je pars de ma gauche vers la droite. Et après, je reviens de la droite vers la gauche. Oui, quand il y a changement de couleur, la plupart du temps, mamie, quand il y a du changement de couleur, suivant la distance qu'il y a entre une couleur et l'autre, s'il y a trop grand. S'il y a une trop grande distance, je coupe mon fil et je reprends ma nouvelle couleur à l'autre bout. S'il y a juste un carré, par exemple là au point de croix, ici, j'ai fait le bleu, pardon, et il y a des petits endroits où il y a des toutes petites cases jaunes. Donc là, je peux changer de couleur et aller de l'autre côté et puis faire les petites croix qui sont auprès de ma. Voilà, là, il y a trois petites croix jaunes à faire. Au-dessus, il y en a une. Donc là, je vais suivre le fil, je vais faire suivre le fil. Mais quand il y a des trop grosses distances, par exemple, je vais faire ma zone jaune ici. Par exemple, je vais faire ma zone, zone, ma, ma,
1, 2, 3. Ma couleur jaune ici. À côté, il y a plein de petits carrés jaunes, donc je vais les faire aussi. Et je vais rattraper sur le grand ici et faire tous les petits qu'il y a ici. Voilà. Et je vais faire comme ça tout le tour. Mais quand il y a des trop grosses, là par exemple, si j'en suis, quand j'arriverai ici, sur cette zone jaune ici, là, sur cette petite partie jaune ici, ben quand il va falloir que j'aille sur l'autre partie jaune ici, il y a plusieurs couleurs différentes entre les deux. Je ne vais pas pouvoir faire suivre mon fil parce que je vais gaspiller trop de fil. Voilà. Pour le tricot, c'est pareil. Quand il faut faire suivre le fil d'une maille à l'autre, où il y a deux mailles, où il y a trois mailles, encore ça va. Mais quand il y a au-dessus de deux mailles, ça passe plus. Sinon, ben, si vous voulez continuer à faire suivre le fil, si vous avez par exemple, comme moi pour la couverture Flamingo Love, les pelotes de jaune primrose, j'en ai 17. Donc si j'avais voulu faire suivre mon fil à chaque fois pour le changement de couleur, il aurait fallu que je prenne le double de pelotes. Voilà. Après, j'ai appris qu'il fallait faire, quand on a une couleur à faire et qu'il faut changer souvent, on a deux couleurs l'une à côté de l'autre, et puis c'est des couleurs qui sont répétition, et qu'il faut changer de couleur à chaque fois, et bien il faut faire des petites boules de laine pour chaque couleur, que pour chaque changement de couleur. Voilà. Il faut faire des petites pelotes, et comme ça, quand vous changez de couleur, et bien vous avez la pelote qui est à côté, vous n'avez pas besoin de couper le fil, faire des nœuds. Et je pense que la prochaine couverture Flamingo Love que je vais faire, je sais qu'il faut 226 rangs, et bien je prévoirai le nombre de pelotes que j'ai besoin, de petites boules que j'ai besoin pour faire les pattes, chacun des deux côtés, pour faire le corps et ainsi de suite. Je ne prendrai pas une seule pelote. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo-là. Donc, merci à vous pour vos petits commentaires. Flora, ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est simplement mes crises d'asthme par moment quand j'ai des grosses crises. J'en ai les yeux qui pleurent. Ça me fait que j'ai les yeux qui pleurent. Et puis, j'ai le nez bouché, j'ai des inflammations de voix. Voilà. Donc, c'est rien de grave. Mais il y a des fois, les crises sont tellement grosses que après j'ai de la conjonctivite aussi, j'ai les yeux qui coulent à cause de ça. J'ai les yeux qui coulent quand j'ai des grosses crises d'asthme trop fortes. Donc quand c'est comme ça, je suis obligée de rester dans mon petit coin toute seule. Il y a mon fils, hein, mais je reste dans mon petit coin toute seule. Et puis j'essaye de faire des loisirs. Si j'y arrive pas, je laisse tomber. Et quand ça m'arrive en pleine nuit, les grosses crises comme ça, et ben ça me coupe l'envie de dormir, ça me réveille. Et après, j'ai du mal à m'endormir. Et après, ben le matin, quand je peux dormir jusqu'à 10h30, 11h, voire plus, et ben il y a le téléphone qui sonne ou ça sonne à la porte. Donc voilà, là ce matin, il a fallu que je me lève en catastrophe pour aller rejoindre la petite de mon voisin qui avait des problèmes parce qu'elle saignait de la bouche. Elle avait vomi du sang. Mais c'est pas du vomi, c'est des... Elle s'est brossée les dents et elle a les gencives fragilisées en ce moment. Elle saigne facilement et elle a horreur, elle n'aime pas le goût du sang dans la bouche. Donc dès qu'elle se brosse les dents et puis que ses dents saignent et qu'elle sent le goût du sang dans sa bouche, et ben ça l'a fait vomir. Donc elle a cru qu'elle avait vomi parce que bon voilà. Non, c'est à cause c'est du fait qu'elle prend son médicament pour le traitement que la gynécologue lui a donné avant de manger, alors qu'elle doit le prendre pendant le repas. Et il y a ça peut-être. Mais si elle a les gencives fragiles quand elle se brosse les dents, et qu'elle rien que le goût du sang, ça la fait vomir, ben c'est ça qu'elle a vomi ce matin. Voilà. Donc son père va voir, là elle a pris son cachet à midi. Donc on va voir si elle va vomir du sang entre le moment où elle a pris son cachet et ce soir. Ce soir, il surveillera aussi si elle vomit après avoir pris son médicament. Si ce n'est pas le cas, voilà. Si c'est le cas qu'elle vomit, il faudra qu'on recontacte en urgence l'hôpital d'Évreux pour qu'elle puisse avoir un rendez-vous d'urgence avec sa gynécologue. Voilà. Elle n'a qu'à manger moins de gâteaux, moins de ceci, moins de cela. Elle n'a qu'à manger moins souvent dans la journée. S'il mange à table, mais il mange entre les repas. Donc, dès qu'elle a faim, hop, un paquet de gâteaux.
S'il y a du saucisson, ben, dans le frigo, on mange du saucisson. Voilà, on mange ce qu'on trouve. Voilà, donc. Voilà, donc moi, je vais vous reprendre sur une autre vidéo. Je vais faire une petite pause maintenant, parce que j'ai la tête qui commence à me tourner. Et c'est vrai que j'allais mieux, donc j'ai arrêté le cachet. Mais le cachet, il ne faut pas que je prenne trop de médicaments à cause de mes problèmes de thyroïde et mes problèmes de mes problèmes d'asthme. Donc sur ce, j'espère que j'ai pu répondre aux questions que vous vous posiez. J'espère que j'ai pu vous rassurer en vous donnant mes nouvelles. Ne vous inquiétez pas, si vous restez 2-3 jours sans nouvelles de moi, sans vidéo, c'est que je ne suis pas en grande forme, que j'ai besoin de repos et que je vous reprends après. Donc la prochaine fois que ça m'arrivera, je vous mettrai un petit commentaire en barre d'infos. Je ne sais plus comment j'avais fait l'autre fois. Mais je vous mettrai un petit message, soit sur Facebook, soit sur Messenger. Enfin, je mettrai un message sur Facebook et puis je mettrai à toutes mes petites coccinelles. Comme ça, vous saurez de qui je parle. Et puis, je vous donnerai de mes nouvelles. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Généralement, c'est rien de grave. Si jamais un jour, il m'arrive quelque chose de grave que je ne suis pas là, j'ai YouTube sur mon téléphone. Je vous mets un petit commentaire, je vous fais une toute petite vidéo où je vous contacte sur, par exemple, je contacte Rachel sur Facebook, je lui dis que je suis à l'hôpital suite à un malaise ou quoi que ce soit, et elle préviendra tout le monde. Voilà. Bonne nouvelle, vous saviez que j'étais montée à 151 abonnés, que j'avais une nouvelle abonnée la semaine dernière, la Nizane, c'est L.A., après L-A, après N-I-Z-A-N, et du coup, que je vous avais dit que j'avais une nouvelle abonnée, puisque j'ai reçu un email comme quoi j'ai reçu un message comme quoi j'avais une nouvelle abonnée sur ma chaîne YouTube, donc je suis allée voir, mais ça me marquait, malgré que j'avais une nouvelle abonnée, ça me marquait toujours que j'étais à 151. J'ai laissé couler une journée, une nuit, et puis quand j'ai rallumé après la dernière fois mon ordi, ça m'indiquait que j'étais à 152 abonnés. Je suis montée à 154. Mais pour vous dire qui s'est abonné à ma chaîne, rien. Je n'ai pas le nom, je n'ai pas le prénom, je n'ai pas le nom de la chaîne YouTube. J'ai des abonnés, c'est comme ça. Et sur mes 154 abonnés, je vous dis, j'en ai les trois quarts. J'en ai bien les trois quarts où j'ai pas le nom, pas le prénom, pas le nom de la chaîne YouTube. Voilà. Donc là, je vais aller me reposer un petit peu. Enfin, je vais rester sur mon canapé, peut-être devant ma télé. Mais là, je sens que la tête, j'ai les yeux qui sont fatigués, j'ai les yeux qui me brûlent. Et j'ai la tête qui tourne, donc je préfère m'allonger un petit peu. Je vais aller chercher mon coussin dans ma chambre, mettre mon coussin là, m'allonger ma tête sur mon coussin, même si je ne suis pas allongée complètement, mais au moins ça me reposera un petit peu. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, ensuite sur la petite cloche noire. N'oubliez pas non plus de mettre le petit pouce bleu, le petit partage et le petit commentaire. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, zéro, que dalle, on va dire. Et moi, ça ne me rapporte rien, zéro, aucun centime. Vous avez aucun centime à débourser, mais moi, ça ne m'en rapporte aucun non plus. Voilà. Donc, vous pouvez vous abonner sans avoir à vous inquiéter de savoir s'il faut payer ou pas, puisque tout est gratuit. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. À bientôt. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Bisous, bisous, bisous.